Le point suivant qu'on va voir, c'est le point 5, et c'est la spécification d'un circuit combinatoire. On va voir la définition. La spécification est la description du fonctionnement d'un circuit combinatoire. Alors, spécifier, ça veut dire décrire un circuit combinatoire. Alors, il faut savoir que le terme spécification, c'est un terme très utilisé en informatique. Et même au-delà, c'est très utilisé dans l'ingénierie. La spécification, c'est la description d'une technologie, d'un programme. Voilà, c'est dans notre cas, c'est la description d'un circuit. Ça dépend de la technologie. En relation de la technologie, le terme spécifié, c'est décrire cette technologie. Alors, je vais vous donner un exemple concret que vous connaissez déjà. Supposons par exemple que voilà, vous avez un exercice en algorithmique et l'exercice, il va vous demander, l'énoncé de l'exercice, c'est il faut écrire le programme qui fait le calcul de la moyenne de 10 valeurs, par exemple, de 10 valeurs. L'énoncé, bien ce que je viens de dire verbalement, ça c'est une spécification. Je viens de spécifier le programme, je viens de décrire comment le programme doit fonctionner, comment il doit fonctionner. Ça, c'est une spécification. Ça, ce qu'on appelle, c'est une spécification verbale. Ça, c'est une spécification verbale. Voilà, globalement, c'est ça. Si par exemple, en mécanique, je veux décrire une machine, je dis par exemple, il faut construire la machine qui va prendre, par exemple, un objet de cet endroit vers un autre endroit. Ça, c'est une autre spécification. Ça, c'est une spécification. Voilà, la spécification, c'est ça. La spécification, c'est une description. C'est une description. J'aimerais juste faire un point ici, une remarque ici, qui est importante. La spécification, elle marche conjointement. Avec le terme implémentation. La spécification, c'est la description. L'implémentation, c'est la réalisation, c'est la création. Pour le programme, par exemple, sur l'exemple que j'ai donné, la spécification, c'est la description du programme, c'est l'énoncé de l'exercice. Lorsque vous commencez à implémenter le programme, à écrire les instructions une après l'autre, ça, c'est l'implémentation. On appelle ça l'implémentation. Les deux termes, généralement, ils sont mis ensemble, ils sont utilisés conjointement. Ils sont utilisés conjointement. L'un pour décrire, l'autre pour réaliser, pour créer. La spécification et implémentation. Et implémentation. Sur ce point, la spécification concernant les circuits combinatoires, qu'est-ce qu'on va voir? On va pas voir la spécification verbale, mais on va voir deux spécifications formelles. Lorsque je dis formelle, j'ai déjà précisé ça. Formelle, ça veut dire c'est mathématique. Mathématique. On va voir deux outils que vous connaissez très très bien. Les deux outils sont les tables de vérité et les fonctions booléennes. Vous avez très très bien étudié ça en SM1. Vous avez étudié tout ça en théorique. C'était des mathématiques. Alors, leur but, c'est ça, c'est de spécifier pourquoi vous avez étudié les tables de vérité et pourquoi vous avez étudié les fonctions booléennes ou bien l'algèbre de boules, c'est pour ça. Parce que ils vont être un moyen de spécification et après à implémenter. On va voir ça après, comment ça va se dérouler. Mais on va commencer avec la spécification. Ces deux outils mathématiques, on va tous les deux les utiliser pour spécifier un circuit combinatoire, pour décrire exactement comment le circuit, d'une manière précise, formelle, mathématique, comment un circuit combinatoire doit fonctionner. Comment un circuit combinatoire doit fonctionner. Juste avant de continuer, il faut savoir qu'il y a, pour un circuit donné, il y a une relation entre sa table de vérité et ses fonctions booléennes. Cette relation, c'est que si vous avez l'un, si vous avez par exemple les fonctions booléennes, il y a une méthode pour extraire la table de vérité, le circuit.
Et inversement, si vous avez la part de vérité, vous pouvez extraire et faire sortir les fonctions booléennes de ce circuit à partir de sa table de vérité. C'est une relation réciproque. Ça veut dire, si vous avez l'un, vous pouvez avoir l'autre. Automatiquement, vous pouvez avoir. Et généralement, vous allez voir, on va utiliser les deux. On va travailler avec les deux. Et on va, lorsqu'on arrive à, on va faire des exemples. Et lorsqu'on arrive à ces points, lorsqu'on passe, on devrait passer de la table de vérité, par exemple, en fonction booléenne, je vais préciser c'est quoi la méthode. C'est des méthodes que vous avez étudiées, c'est assez simple, que vous connaissez bien. On va les voir. On va les voir au fil d'avancement du cours. Alors, là, on va voir un exemple. L'exemple, supposons, on va dire qu'on a un circuit combinatoire. On a un circuit combinatoire. Ce circuit combinatoire, supposons, il est décrit par cet ensemble d'équations. C'est un ensemble de fonctions algébriques. On a deux fonctions, un ensemble de deux fonctions algébriques. On a F1. AB est égal à A fois B bar plus A bar fois B. Et on a F2. AB est égal à A fois B plus A bar fois B bar. Alors, la première remarque à dire ici, c'est que ces fonctions ils sont des fonctions booléennes. Ça veut dire ici, A et B, ce sont des variables. Pour la fonction, ce sont des variables booléennes. Donc, juste un rappel, entre parenthèses, dans l'algèbre de Boole, les variables booléennes, c'est quoi? Ce sont des variables qui vont contenir les deux valeurs 0 et 1. Ce ne sont pas des variables comme l'algèbre normale, des variables qui vont contenir des valeurs réelles. Ce sont des valeurs booléennes 0 et 1, 0. Sa signification logique réelle, c'est le faux, c'est le false, c'est le faux. Et le 1, c'est le vrai, the true, bien le vrai. On avait dit que le voile, c'est le end logique, c'est le et logique. C'est le et logique, et on devrait l'exprimer et logique. On ne devrait pas dire fois, on doit dire A et B pas. C'est pas si grave. Ce point n'est pas aussi exigeant que ça. Le ou, c'est le plus. Le plus, c'est le ou. Il y a un plus, ça veut dire c'est le ou logique. C'est A ou B. C'est la condition A ou la condition B. La variable A et B, ils représentent des conditions. Ils représentent des conditions. Et cette expression A et B bar ou A fois B bar plus A bar fois B, elle représente les conditions dans la logique humaine, ça veut dire c'est la condition 1 et l'inverse de la condition B ou, entre parenthèses, ou la condition, l'inverse de la condition A et la condition B, tout ça, si c'est vrai, tout ça, c'est une expression et on va voir que ça dépend des valeurs de A et B, ça dépend des valeurs, est-ce que les conditions sont correctes ou fausses? Voilà, c'est juste un résumé. Le point ici à retenir, c'est que ces expressions, ils représentent réellement la logique humaine, avec le et, le not, le non, ou logique, et logique, ou logique. Voilà, c'est juste une représentation de la logique humaine. Alors, on a deux fonctions. Ces deux fonctions, c'est un ensemble de fonctions. Vous allez voir que lorsqu'on spécifie un circuit combinatoire par les fonctions booléennes, on doit les prendre sous format d'ensemble. Il y a plusieurs fonctions. Alors, supposons ces deux fonctions, ils représentent, bien, ils spécifient un circuit combinatoire. Alors, la première chose à savoir ici, c'est que, à partir de la lecture de ces deux fonctions, on peut déduire le nombre de sorties et le nombre d'entrées. Alors, si on continue, là, le nombre de sorties, c'est le nombre de fonctions. Chaque fonction, dans l'ensemble, elle va représenter une seule sortie. Chaque fonction, elle représente une sortie. Là, on a deux fonctions, on a deux sorties. Si on avait trois fonctions, trois sorties, et ainsi de suite.
Pour les entrées, ce n'est pas le nombre de fonctions, mais A et B, ça, c'est le nombre de variables pour les fonctions. Là, pour les deux fonctions, on a deux variables, A et B. Ça veut dire on a deux entrées. On a deux entrées, l'entrée A et l'entrée binaire B. Voilà. Globalement, ça va un circuit combinatoire va être globalement spécifié de cette manière. Le nombre de sorties, c'est le nombre de fonctions. Le nombre d'entrées, c'est le nombre de variables. Le nombre de variables. Alors, pour pouvoir spécifier un circuit combinatoire à partir des fonctions logiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que par exemple le circuit il a la combinaison suivante d'entrée. Il a ici 0 et ici 0. Supposons qu'il a ces deux valeurs en entrée. Alors, pour connaître les sorties de ce circuit à partir de ces deux équations, ces deux fonctions, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. On va remplacer les valeurs de ces deux variables dans les fonctions. On va voir l'évaluation de cette fonction, ce qu'elle va produire comme valeur. Bien sûr, on va travailler en booléen sur l'algèbre de boules. Par exemple, pour le F1, F1, ça veut dire c'est la première sortie. On va faire 0 ici et 0 ici. On va remplacer le A par 0, le B par 0. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0 fois 0 bar où le 0 bar et le 0, que ça va donner? Ça va donner 0 et 1, ou le 1 et 0. Ce que ça va donner, bien sûr, on va prendre, ici on a le et, la multiplication, elle est plus prioritaire que l'addition dans l'algèbre normale, et la même chose ici. C'est que le et est plus prioritaire que le ou. Ça veut dire ça va ici, ça va donner 0, ici ça va donner 0, ça va être 0 plus 0 et ça va être égal à 0. Ça veut dire on aura 0 ici. On aura 0. La même chose ici. 0, 0, c'est les mêmes entrées. Alors on aura 0 fois 0 et 0 par. Comme ça, 0 bar et 0 bar. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner. On va prendre ça, c'est 0. Pardon, 0 fois 0 plus 1 fois 1 et est égal à. Après, ici, ça c'est 0 et où. Ah, ça c'est 1. Et ça va donner au final 1, 1. Ça veut dire on aura ici 1, 1. On aura ici 1, 1, voilà. On vient de faire l'équation. Et à partir de ces équations, on a pu déduire les valeurs de sortie de ce circuit. Ça, c'est la spécification formelle. Mathématiquement, quelle que soit la combinaison d'entrées, on peut calculer, on peut évaluer la sortie de ce circuit à partir de ces fonctions. Le point suivant qu'on va voir, c'est la table de vérité. Là, on a les fonctions booléennes et à partir de ces fonctions booléennes, on va extraire la table de vérité. On va extraire la table de vérité. Là, la table de vérité. Table de vérité, juste qu'on rappelle, elle est subdivisée en deux parties. La partie gauche contient les entrées, la partie droite elle contient les sorties. Là on a deux entrées, on sait très très bien que notre circuit il contient deux entrées. On sait très très bien que notre circuit il va sortir deux sorties. Alors là je l'ai déjà rempli, c'est que on doit faire toutes les combinaisons possibles. Là, on a deux variables, ça veut dire on a 2 à la puissance 2, on a 4 possibilités. 4 possibilités ou bien 4 combinaisons possibles, c'est 0, 0, 0, 1, 10 et 11. Voilà. Et comment on va remplir la table de vérité? C'est très simple, on va évaluer. On va remplacer les valeurs des entrées, les évaluer par les fonctions
et on va remplir la table à partir de cette évaluation. Voilà. 0, 0, on l'a déjà faite, ça veut dire que cette combinaison, ça va sortir 0, 1. On l'a connu très bien. Si on fait par exemple 0, 1, ça veut dire si je donne au circuit la valeur 0, 1, ça veut dire que je vais faire 0, 1, ici 1. Alors B bar c'est 0 fois 0 plus A bar ici c'est 1 fois 1 et ça, ça va donner 0, 0, 0 et 0 ou 1 et 1, ça va donner 1. Voilà, je vais remplir ici. Hein? La même chose ici pour le pour la deuxième, c'est 0, 1, ici c'est 0 fois 1 ou 1 fois 0 et ça, ça va donner 0. 0 ou 0, ça va donner 0. Voilà, je remplis la même chose ici. On va faire la troisième combinaison. Donc, la troisième combinaison, c'est 10, ça veut dire 1, 0, 1, 0. Alors, 1, 0, ça veut dire ça va être 1 fois 1 ou... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai effacé la barre. J'ai fait la barre, voilà. S'il y avait une barre. Ici, ça va devenir 0 et 0 et ça va produire 1. Je vais l'écrire. Pour le F2, ça va donner 1 fois 0 ou 0 fois 1. Je dois les inverser et le résultat, c'est 0. 0 ici. La dernière, je dois pas effacer le bar. La dernière, c'est 1, 1. 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Là, ça va donner 1 fois 0 plus 0 fois 1 et ça va donner 0. Voilà, je dois écrire 0. La suivante, là, c'est 1 et 1 ou 0 et 0 et ça doit donner la valeur 1. Voilà. Et on vient de terminer le remplissage de notre table de vérité. On vient de la remplir. Et cette méthode est très simple. C'est une méthode mathématique très simple. Il suffit d'évaluer toutes les combinaisons possibles pour pouvoir extraire la table de vérité à partir des fonctions logiques. À partir des fonctions logiques. Et on a des fonctions logiques un peu facilement extraire la table de vérité et on a maintenant les deux outils. On a les fonctions booléennes et la table de vérité concernant ce circuit combinatoire. Juste une remarque très importante ici. Vous remarquez que la table de vérité réellement c'est quoi? C'est une application, algébriquement parlant. Ça veut dire pour chaque élément de départ, on connaît l'image. Ça crée la correspondance. Chaque ligne, elle représente la correspondance entre le point de départ et l'image, ou bien le point d'arrivée dans l'algèbre normale. D'accord, voilà, il y a la correspondance. Ça veut dire, à partir de la table de vérité, comment on va utiliser la table de vérité pour spécifier un circuit combinatoire? C'est très simple, c'est que la table de vérité, elle liste toutes les combinaisons possibles, quelle que soit la combinaison que tu vas faire. Je vais écrire par exemple 1, 0 ici. 1, 0 ici, je vais la chercher dans la table, 1, 0, c'est ça. Directement, je connais la sortie, c'est 1, 0, ça va produire 1, 0. Voilà, ça va produire directement 1, 0. Voilà, une table de vérité, elle est utilisée de cette manière pour spécifier un circuit combinatoire, pour décrire un circuit combinatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'implémentation. On va passer à l'étape suivante, c'est la construction, l'implémentation. Comment on devrait implémenter, réaliser, comment on devrait créer un circuit combinatoire à l'intérieur. Jusque-là, le circuit combinatoire, on le voit comme une boîte. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, c'est une boîte noire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'implémentation, on va créer le circuit combinatoire. On va le créer à
l'intérieur. On a déjà parlé de ça auparavant, c'est que un circuit combinatoire, à l'intérieur, il y a des portes logiques. Il y a des portes logiques. On va utiliser ces portes logiques pour construire le circuit combinatoire. Alors, on va supposer que ce rectangle, il représente notre circuit combinatoire. À l'intérieur, on va dessiner, on va relier et utiliser les portes logiques pour construire le circuit combinatoire à l'intérieur. Pour construire le circuit combinatoire à l'intérieur. Alors, juste pour rappel, les portes logiques, ce sont des composants électroniques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une opération logique booléenne élémentaire. Par exemple, on va utiliser cette porte-là. Cette porte, c'est le symbole de la porte OU. Elle va faire le OU logique. Le OR. Elle va faire le OR logique. Ça, c'est le AND. C'est le symbole de la porte AND. Cette porte, elle va faire le AND logique, le E logique. Et ça, c'est le NOT. Ça, c'est le NON logique. Ça, c'est le NON logique. On va utiliser ces trois portes pour réaliser le circuit combinatoire à l'intérieur. Alors, je vais vous donner une information d'une importance capitale ici. C'est une information d'une importance capitale. Alors, réellement, les circuits combinatoires à l'intérieur, c'est quoi? C'est très simple. Ils sont très, très simples. Leur concept, il est très simple. Ils vont faire l'évaluation d'une fonction booléenne, ces deux fonctions, l'évaluation, elle va se faire d'une façon automatique, électrique, par le circuit. Nous, lorsqu'on avait fait l'exemple, on faisait ça manuellement, 0, 1. Le calcul simple, le calcul mental, on avait 0 et 1, ça va donner 0. On faisait le calcul mentalement. Là, on a des portes logiques qui peuvent faire ça automatiquement. Lorsque je dis automatiquement, ça veut dire électriquement. Ils vont faire ça électriquement à notre place. Ça veut dire qu'ils vont évaluer l'expression qu'on avait évaluée au préalable mentalement. Le circuit, il va la faire d'une façon automatique. Il va la faire d'une façon automatique. On va créer maintenant, on va créer le circuit. On va l'appeler le logigramme. C'est le diagramme logique. Le logigramme, c'est un diagramme logique. Ce circuit, il va représenter le circuit électronique qui va évaluer automatiquement ces deux fonctions. Si on arrive à faire ça, si on arrive à créer ce circuit, ça veut dire que le circuit combinatoire, il se comporte exactement comme on l'avait décrit, spécifié à partir de ces deux fonctions. Là, c'est important, là, c'est un point crucial à comprendre ici, c'est que un circuit combinatoire à l'intérieur n'est qu'un simple circuit qui évalue des expressions booléennes. Expression, mais il va les évaluer automatiquement. Alors, on va commencer, on va faire un exemple, on va faire étape par étape et vous allez voir. Là, on a les expressions. On va compter les opérations, par exemple, pour le F1. On va commencer par le F1, la fonction F1, ça c'est l'expression booléenne. Alors, on a une opération, ça c'est la deuxième opération, le NOT c'est sa troisième, ça c'est la quatrième. Et ça, c'est la cinquième. On a cinq opérations algébriques. Ça veut dire qu'on aura besoin de cinq portes logiques. On aura besoin de deux portes AND pour faire ça et ça. On aura besoin de deux portes NOT pour faire ça et ça. Et on aura d'une porte OU pour faire cette opération. Alors, juste pour rappel, lorsqu'on faisait l'évaluation mentale
de cette expression, on avait parlé de la priorité des opérations. Je vais vous donner un exemple. Supposons par exemple dans l'algèbre normale, je vous donne cette équation. Par exemple, moins x plus y fois, par exemple, z. Voilà, fois z. Ça, c'est une expression algébrique normale, elle n'est pas booléenne. Et je vais vous demander de parenthéser cette expression par rapport à la priorité des opérations. Ça veut dire, si je voulais par exemple calculer cette expression, avec quelle opération je vais commencer? Avec quelle opération je vais commencer? Par exemple, si j'ai moins 1 plus 2 fois 3 par exemple. Là, la première opération avec laquelle on va commencer normalement, c'est le moins 1. C'est le moins unaire, on appelle ça le moins unaire. On va commencer avec le moins unaire. On va commencer tout d'abord, ça c'est la première opération avec laquelle, c'est sur laquelle on va commencer, avec laquelle on va commencer. La deuxième opération, vous connaissez très très bien, c'est la multiplication. La multiplication, elle est plus prioritaire que l'addition. Et la dernière, c'est l'addition. Merci, addition. Ça, c'est important à connaître parce qu'on va utiliser ça sur l'algèbre de Boole. Et cette priorité, elle va nous permettre d'ordonner les portes logiques. Les portes logiques les plus prioritaires seront les portes les plus proches des entrées. Et à chaque fois que la priorité de l'opération diminue, elle va s'éloigner de l'entrée et elle va partir à droite et s'approcher de la sortie. Ça devrait être organisé de cette manière. Les portes logiques devront être organisées en niveau, en plusieurs niveaux. On va commencer par le niveau 1, c'est le niveau des premières opérations qu'on devrait faire. Après, c'est le niveau 2, après, c'est le niveau 3. On va commencer ici, le niveau 1. On va supposer ça, par exemple, cette partie. On va dire que cette partie va représenter le niveau 1 dans lequel on va calculer le NOT. Cette partie, on va dire, elle concerne le niveau 2, c'est la multiplication, bien c'est le E. Et ici, on va faire le dernier niveau, c'est le OU, c'est la dernière dans l'ordre de priorité des opérations. On va prendre, c'est le OU. Voilà. Du coup, on va le faire ici. Voilà. On va commencer par les entrées. Les entrées, on va prendre le carré. On va supposer que le carré, il va représenter une entrée. Alors, ce n'est pas une convention proprement dit, mais c'est juste, on va la prendre comme convention dans ce cours. Alors, ça, c'est... on fait ça, c'est par rapport au logiciel. C'est un logiciel sur lequel on travaille. C'est logiciel. Logiciel fonctionne de cette manière. Les entrées, il va les représenter par un carré, et les sorties, il va les représenter par un cercle. On va utiliser cette convention pour représenter les entrées et les sorties. Voilà, on a deux sorties. Là, deux sorties, deux entrées. On va les nommer. Ça, c'est en principe le A. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Ça, c'est le F1. Ça, c'est le F2. Voilà. Alors, on pourra commencer. On va commencer lorsque... Si vous vous rappelez, l'évaluation, lors de l'évaluation de cette fonction, on commençait toujours par le NOT. On doit commencer par le NOT. On va utiliser deux portes NOT. On va prendre cette porte ici. Je vais la mettre ici.
Je vais la mettre au premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. Je vais la mettre ici. Et je vais prendre une deuxième note. Ici. Voilà. Je vais commencer à calculer, par exemple, A bar. Pour calculer le A bar, c'est très simple. Le calcul de A bar se fait de cette manière. C'est comme ça. Voilà. Le signal ici, c'est le A bar. Jusque-là, j'ai le A bar ici. Si par exemple j'ai 1 ici, le suffit, il va contenir la valeur 0. Si j'ai 0 ici, ça va donner 1. Alors je vais l'écrire. Si c'est 0 ici, ça va me donner 1 ici. C'est l'inverse. Et inversement. Et inversement. Voilà, c'est très simple. Simple. La même chose pour le B. Je vais calculer le B bar. Le B bar, c'est directement ici. Hop. Et ça va me sortir le B bar. Ça va me faire sortir le B bar. Là, je viens de calculer le B A bar et le B bar. Je vais passer au deuxième niveau. C'est le niveau des portes AND. Des portes AND. J'aurai besoin de deux portes AND. Alors, je vais les arranger de telle manière. On va en tout utiliser 4 parce qu'on aura 2 end après dans la deuxième fonction. Voilà, je vais mettre dans ce niveau, je vais mettre 4 end. Mettre 4. On va les utiliser après. Ces deux-là, on va les utiliser dans la deuxième fonction. Pour la première fonction, on a besoin de deux end. On connaît la sortie de ces deux end. La sortie ici. Et cette sortie, elle va être A fois B bar. A et B bar. Et celle-là, c'est la deuxième et le deuxième et, c'est A bar et B. Voilà, on a les sorties. Maintenant, on a les deux entrées. On peut accéder au signal de A. Je peux faire par exemple un nœud ici, une sortie ici. Hop, et prendre le signal, prendre un fil ici. Et je vais le brancher à la première entrée de cette porte. Là, et B bar. Le B bar, je l'ai déjà, il est ici. Voilà, je vais directement le dessiner. Je vais directement transmettre ce signal en utilisant un fil. C'est une remarque que je ne sais pas ce que j'ai dit ça au préalable ou pas, mais lorsque je dessine un fil, ça veut dire, lorsque je dessine, pardon, un trait, ça veut dire que c'est un fil électrique. Ça, c'est un fil électrique. Ça représente un fil électrique. Il va transmettre le signal, il va transmettre le voltage. Voilà. Là, j'ai créé ces deux fils et j'ai branché cette porte. Et cette porte, maintenant, elle peut produire le résultat A fois B bar. La même chose pour le deuxième. A bar fois B. Le A bar, on l'a déjà. Là, on va directement le prendre. Voilà, ça c'est le A bar. Et le B, on l'a aussi. Je vais le prendre à partir d'ici. À partir d'ici. Voilà. Et je viens signal, là j'ai A bar fois B. J'ai A bar fois B. Alors, j'ai évalué ça. J'ai évalué ça. La dernière porte est très simple. C'est le OR. C'est le OR. C'est le OU logique. Le OU logique, ça va être ici. Et le OU logique ici, ça va faire le OU entre ces deux termes. Voilà. Et je vais les prendre directement. Là, la sortie, cette porte, sa sortie, c'est quoi? C'est F1. C'est F1. Elle va calculer toute l'expression. Elle va calculer toute l'expression. Et c'est ça le principe. C'est ça le principe. C'est que le principe, c'est que circuit combinatoire, c'est quoi? À l'intérieur, ce n'est que une expression ou bien une fonction algébrique booléenne qui est évaluée
automatiquement, électriquement, électroniquement par le circuit combinatoire. Pour le faire, on devrait utiliser les portes logiques, utiliser les portes des opérations algébriques. Voilà, on va faire la même chose pour le 2. Pour le 2, alors, je pourrais créer des portes pour ces deux notes. Je pourrais ajouter ici, mais le signal A bar et B bar, je l'ai déjà. Je ne vais pas refaire ça. Je vais économiser des portes. Je ne vais pas les utiliser parce que j'ai déjà A bar et B bar. Vous pouvez le faire, c'est correct. Si vous ajoutez par exemple des portes, ici c'est correct, ça reste correct. Alors, on va voir le signal. On va étudier ce AND. Ce AND, c'est entre A et B. Alors, est-ce que j'ai le signal de A? Oui. Le A, je l'ai ici. Je vais prendre un nœud ici. Je vais prendre un fil ici. Ça, c'est le A. Ça, c'est le A. Est-ce que j'ai le B? Oui, le B, il est ici. Voici le B. Ça, c'est le signal de B. Et là, en sortie, j'ai A, quoi, B. Voilà. Je viens de calculer le premier terme. La même chose pour le deuxième. Pour le deuxième, c'est A bar, fois B bar. C'est A bar fois B bar. Est-ce que j'ai le signal de A bar? Oui, il est ici, le voici. Je vais le prendre, disons par exemple ici. Hop, ça c'est le A bar. Le B bar, oui, je l'ai déjà. Il est ici. Je fais un nœud. Dire que cette sortie, elle va se distribuer. Et là, c'est le B bar qui part ici. Alors ici, j'ai A bar fois B bar. Alors juste une remarque. Si je prends par exemple ce point, je fais un nœud et je distribue le signal vers deux entrées suivantes. Deux entrées de portes suivantes. Alors, pour ne pas mélanger avec la quatrième règle qu'on avait vue pour la construction des circuits combinatoires. Quatrième règle, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'elle dit? Une entrée ne devrait pas, par exemple celle-là, elle ne devrait pas prendre de plusieurs sorties précédentes. Alors que l'inverse, c'est correct. L'inverse, c'est qu'une sortie, elle peut produire, elle peut donner vers plusieurs sorties suivantes. Je répète cette comparaison, elle est très importante. Là, pour la contention, la définition de la quatrième règle des circuits combinatoires, on avait dit qu'une entrée d'une porte ou bien d'un circuit combinatoire, elle ne peut pas prendre de plusieurs sorties précédentes. Celle-là, elle prend de B. Elle ne peut pas prendre de A et B en même temps. Ça, c'est la règle. L'inverse, c'est valable. L'inverse, ça veut dire les sorties, ils peuvent donner à plusieurs entrées. Ça, c'est l'exemple qu'on vient de dire. A bar ici, ce signal A bar, ça, pour la sortie, cette sortie, A bar, il va partir vers cette entrée et vers cette entrée. Alors, il ne faut pas mélanger entre les deux concepts. Pas mélanger. La sortie, elle peut être distribuée, mais l'entrée, elle peut prendre d'une seule sortie. Voilà. On a A bar fois B bar. Bien sûr, la dernière opération, c'est le plus, c'est le ou. On va prendre le ou, on va le mettre ici. Le ou, c'est ça, c'est toute l'expression. Il va représenter toute l'expression. Et on va l'écrire. Voilà. A fois B ou A bar fois B bar. Ça va donner F2. Ça va donner l'expression F2. Ce circuit, il permet d'évaluer automatiquement ces deux fonctions. Au lieu de le faire mentalement, parce que les opérations qu'on avait faites au préalable mentalement, ce circuit, il va les faire d'une façon totalement automatique, autonome, tout seul. Il va le faire tout seul, et c'est ça la définition, le principe de construction d'un circuit combinatoire. Un circuit combinatoire, maintenant. Au préalable, on voyait le circuit combinatoire comme une boîte noire. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est de la magie. On ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, on a une vision exacte de ce que c'est un circuit combinatoire. Un circuit combinatoire, à chaque fois que vous voyez maintenant un circuit combinatoire, c'est quoi à l'intérieur? C'est une expression
booléenne qui est en train d'être évaluée automatiquement. C'est ça la vision correcte d'un circuit combinatoire. À chaque fois que vous voyez un circuit combinatoire, il faut avoir ça dans l'esprit. Ça veut dire que ce circuit combinatoire, à l'intérieur, sûrement, il est en train de faire une évaluation d'une expression algébrique booléenne. Il est en train de le faire automatiquement, d'une façon automatique. Voilà, ce point est très important à connaître. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire, on va évaluer? On va faire un exemple. L'exemple qu'on avait fait au préalable, on va l'évaluer. On va le faire, l'évaluation. On l'avait faite mentalement. Là, on va voir comment la machine, elle va faire cette évaluation. Elle va faire l'évaluation. Comment elle va faire l'évaluation? Alors, on avait fait l'exemple du 0,0. 0,0. 0,0, ça va donner en principe 0,1. Ça va donner 0,1. Ça va donner 0 ici. Et ça va donner 1,1 ici. Donner 1,1 ici. On va faire l'évaluation. Alors, 0, il va se propager. Il va arriver jusqu'ici. Il va devenir 1. Il va se propager par ce fil jusqu'ici. Ici, cette entrée, ça veut dire que c'est 1 ici. Et 1 ici. Pour ce 0, ici, c'est la même chose. Il va devenir 1 ici. Il va se propager sur ce fil et arriver à cette porte avec la valeur 0. Voilà. La propagation de B, il va se propager ici. Il va aussi se propager ici. Pardon, ça c'est le... On va prendre les deux 1. Ce 1, il va se propager ici, il va arriver 1 ici, il va se propager parce qu'il va arriver 1 ici. Ce 1-là, la même chose, il va se propager et arriver ici 1, il va arriver ici 1. Ça, c'est un 0, je me suis trompé ici, ça c'est un 0. Là, c'est un 0 qui va se propager, ça c'est un 0, et c'est le même 0, il va arriver jusqu'ici, je me suis trompé. 0 ici, 0 ici. Voilà, qu'est-ce qui reste? Et ici aussi, c'est la même chose, c'est un 0. Et ça, c'est un 0. Alors, on va voir comment les portes elles vont se comporter. Ici, ça, on a 0, 1, ça va produire 0. Et ici, on a 1, 0, ça va produire 0. Ici, on a 0, 0, ça va produire 0. Ici, on a 1, 1, ça va produire 1. 0 ou 0, ça va produire 0. Le résultat, c'est 0. Et on a 0, 1 ici. 0, 1 ou 1 ici, ça va produire 1 et c'est exactement le résultat estampé, le résultat qu'on avait prévu. La machine, elle peut évaluer correctement l'expression booléenne ou bien la fonction booléenne. Elle peut toute seule évaluer automatiquement cette expression. Alors, il faut juste ne pas se tromper. Voilà. L'évaluation se fait de cette manière. On vient d'évaluer le circuit, on avait donné des valeurs en entrée et on avait vu la propagation du signal à travers le circuit, de ses entrées à gauche jusqu'à la sortie à droite. On avait vu l'évaluation à travers les différentes portes logiques en traversant, en se propageant sur les fils électriques. Voilà, globalement, c'est ça. Ce point est très important à comprendre. Avoir l'intérieur et l'implémentation réelle d'un circuit combinatoire à l'intérieur, comment elle est faite, qu'est-ce qu'elle représente réellement, c'est très important à apprendre ça et à assimiler ça. Voilà.